Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est un réel plaisir, encore une fois de plus, de me retrouver devant vous pour la présentation d'un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo. Je vous rappelle que cette émission, on l'appelle Contact Pro Life, comme vous aviez vu dans le titre, et que nous émettons à partir de Johannesburg. Mon nom, c'est Germain Kaindo. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci pour beaucoup pour tous ceux qui ont pris le choix de nous suivre régulièrement et surtout ceux qui ont positionné cette émission en premier lieu de le suivre tous les jours, tous les matins. J'ai vraiment le feedback que vous ne cessez de m'écrire pour m'encourager. Nous sommes là pour réfléchir sur la République de notre démocratie du Congo. C'est ça notre apport pour la reconstruction de notre pays. Si nous sommes dit que nous allons réfléchir, c'est parce que nous avions constaté que beaucoup d'intellectuels de notre pays ont laissé cette tâche et ils sont en train de faire la politique de ventre. Donc tout le monde se précipite d'être dirigeant au pays. Pas pour apporter des solutions, mais pour aller un peu demander au pays ce qu'il lui doit. Bandeko ebele bakenda ko sala politique, bakenda ko sala musala ya politique, parce que c'est ça le travail qui va nourrir, qui va les rassurer, leur avenir. L'évolution, le développement du pays, ça ne les regarde pas. Bandeko, lelo tokolobela nini? Nous allons parler un peu de notre pays sur le plan organisationnel. Parce que biloko nyonso tu es ebandi wana. Nous allons parler pourquoi est-ce que nous ne nous développons pas. La faute est exactement où. Place ni nyangwe photo bandela. Pour nos politiciens, au bazako, kolinga kozala ba dirigeant ya bia na magistrature ezako ya ou bien bato bazolinga bazala ba président de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Base za wapi? Politiciens za nani? Pourquoi est-ce que notre pays ne décolle pas? Pas si oto za komona na mboka e uti wapi? Biso bato oto za na étranger awa tokima posa kozonga mboka za te. Tant mususu ter to za la kana mboka, tu regardes, tu te dis mais mboka o oh, est-ce que za mboka ou bien za zamba? Nos dirigeants qu'est-ce qu'ils font? Le lo au président Azana Nani, Azana na Brazzaville, à bandir sous ma voyage, est-ce qu'Azana plan, est-ce qu'il peut se concentrer pour la reconstruction de notre pays? On parle des élections prochaines, donc Mboka Ezana cacophonie. Donc nous avons intitulé notre émission La cacophonie qui règne et qui empêche le développement de notre République démocratique du Congo. Bandeko, avant ma kamounyo surtout, comme tout ça la cas d'habitude, prenons le grand titre des journaux qui paraissent ce matin sur internet, na ba journaux oye paraissent en ligne, et nous avons pris l'habitude avec quelques journaux que nous vous proposons les grands titres pour que développement actualité n'engeza ko kende bokta mboza ko browse nanane na ba internet no bozo ngate ke ko kende na ba journaux na po kote kuna ba information fiable zalaka. Ce sont des journalistes, ce sont des gens qui sont dans la presse et qui émettent tous à partir de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons lire les grands titres et puis nous revenons tout de suite après pour parler de notre cher grand pays. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-point.com. Congo, RDC Congo Hold Up, le plan machiavélique occidental sur la sino-congolaise dénoncé par le sino-sicomine SE. Et puis diplomatie, Félix Tshisekedi dit à Brazzaville c'est lundi. Nous allons sur actualité.cd, Kinshasa, $25 par mois par personne pour aider le ménage le plus vulnérable à faire face au choc socio-économique causé par le COVID-19. Et puis, viol collectif des femmes à la prison de Kasapa. Les audiences reprennent ce lundi sur la presse. Et puis, sans la presse plutôt. Congo profond, le député Passi Moleka au gouverneur Kiabouria, aucune réalisation à Kasumbalesa. Kimpese, les toitures emportées par la pluie, l'église
CADC El Shaddad lance un cri de détresse. On va sur 7 sur 7. Ici, des nouvelles mesures anti-Covid seront annoncées ce dimanche. Et puis, Tshisekedi prononce son discours sur l'état de la nation le 13 décembre. On va terminer par Radio Okapi. Organisation de tests d'admission à l'ordre de médecins. Le gouvernement actualise les mesures de prévention de lutte contre le Covid. Et puis, l'ADECO dénonce les stratégies politiques de la chaise vide du FCC. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. On a remarqué, puis Nakokiko Kocha Penza, en marge, je peux souligner pour comme actualité, c'est encore le déplacement du président de la République vers Brazzaville. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Yemokwa Yebi. Alors, j'ai choisi un peu to bandana Likambo. À quoi s'attendre de la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais? Tozo Zelanini, qu'est-ce qu'il faut? Alors, hello, si j'ai Oyo, Awa, avant Tokota na réflexion sur la pose des actes, et puis avant Tokota, ce qui dérange, Tobandananou, à quoi s'attendre de cette intervention? Bandeko, na ba réseaux sociaux ou bien na banani na actualité, vous aviez remarqué que ba tumsus ba député ba komi ko récupérer situation oyo en disant que non, ils avaient proposé ça, cette intervention au président de la République. Toza komona kakofonie za côté kuna, président de la République a joué encore une fois de plus une décision qui est très impopulaire. Bandeko, les décisions impopulaires, parfois, elles ont la casse, la sauvetage en boca, parce que tu as saigné, mais tout à fait, parce que tu as dit qu'après décision, on a action qui a découlé, disons, acte, résultat qui a découlé après décision, on a et qu'on a la très salvatrice, et qu'on peut avoir résultat, mon coeur malam. Bandeko, depuis 3 ans, que le président de la République est à la tête de notre pays, ba mesure, ba décision, la plupart sont toujours en échec. Et nous avons une décision échec. On se pose finalement la question de savoir, est-ce que ba makambo onyon sotozo loba pona kobongisa mboka, nous réfléchissons, est-ce que tozwaka mikano nini ngo tozwaka pona kosali kona ko réaliser biloko wana, est-ce que tozwaka kaka biloko ba décision wana, est-ce que tozana plan moko directrice ya koloba soki ngai naye ndenge naye nazana bokonzi boy, première année na fona bongisa tele loko, deuxième année fona bongisa tele loko, troisième année na kosala boy, quatrième année za na préparer ba élection, est-ce que nous avons un road map comme on dit en anglais? Est-ce que le président Nabiso, est-ce que tu as IDPS au Bazana Bokonzi? Bazia qui n'est le Kwana ou bien Bakotika Kambala Moko? Bon, ok, Mzeleza Malamoute, projet à 100 jours, oh, Nini, Tobong Sanan ou Batubalia, bat sans plan et loko moko, tu vois aussi sa mandat Oyo et loko moko et sa limité. Parce que nous touchons à tout sans rien toucher. Dernièrement, Awa, je vais vous donner un exemple. On s'attelle, ils m'ont même battu au bazar en pouvoir. Ils ont même commencé même à me contacter en me disant que non, projet on a 145 territoires, les amalam, qu'est-ce que vous pensez? Bon, ok, nous allons commencer à faire des projets, à investir dans chaque territoire. Ils n'ont même pas continué à savoir ndengeni nango toko komanango. Mboka na biso eza na ba problème belé côté à est za ba guerre côté à ba guerre côté à nani de insécurité partout dans les assemblées provinciales makambozo simbaté ba tunyoso oyo ba ministre ba kwende boy parlement to lo ba kutu te ba kofinga na belé. Donc le problème ya Congo soko tali kaka cahier de charges ango fungoli ka boy et oki opeso mutu pasi, et c'est là où nous nous compliquons. C'est là où nous ne savons pas exactement et là qu'on y n'ango toujours ça là. Entre-temps, si nous ne voulons pas réfléchir, tant que ça coquende, tant que ça leka, bandugu, depuis Zamani,
Congo yetu, acha niseme mpe mkiswahili hapa, Congo yetu iko na maprobleme za mingi, unaanjia ku sécurité, unaanjia ku mapose meme ya kujenga inchi, maproje zote zenye ziko zinafanyika. Probleme iko, eske kuko mpango yenye batu balikamataka juu ya kwanja kutengeneza, ya kurezudre probleme moya moya. Eske benye bana tudirije, biko bana yuwa fasi gani foba anjie. On ne peut pas tout t'embrasser en même temps. Et là, vous allez encore le découvrir dans le projet que le Premier ministre est venu avec à l'Assemblée nationale. Et quels sont le calibre même y a député Nabiso pour examiner le projet. Bien sûr, tout le monde dans son secteur cherche un peu. Yakolobano, tobongisata moi mouke. Bandeko, likambo ya Congo, eza likambo ya kobongisate, boba balabala, eza likambo ya kobongisate, ono tobongisa balabala, ou bien tobongisato ya na babilo kwa kolia. Tout ça, eza kokende nango na mai, nous perdons du temps, nous perdons inutilement, na mbongo, na ba ressource ya mboka, na biso tozo perdre nango inutilement, au lieu de s'arrêter et de reconstruire le pays, de réfléchir, to bandana nuko vanda, to vanda to solo la. Hein? L'opposition disait une fois de plus, bon, je parle de Martin Fayoulou en disant que non, Bandeko, là où nous allons, nous sommes en train d'aller très mal. L'Église catholique en avait fait le même constat. Toza ko s'enterrer, toza ko s'enfoncer de plus en plus dans biloko moko oyo eza nécessaire te pona kobongisa mboka na biso. Ce qui est nécessaire oyo, il faut to sala ka yango te. On se précipite dans toutes les choses. Okoyo kabika kab toza komi tozo lobaka kao ba warrior ba kwa ko sale loko boy ba kwa ko sale et puis eux mêmes aussi ça norgueillisse toza ba warrior on va faire tokopes ba promesse sans toutefois savoir que eloko nini yango toza nango poto sala oto lingi to sala. Imagine toi dans le projet encore j'ai réalisé encore ce week-end nani ba ba exposé au premier ministre à Pesaka devant parlement, il y avait ce qui 300 combien de points. Ba 300 combien de points on a au ba loba qui ba ko toucher pour échanger vie en mboka. Je ne crois même pas qu'il y a 3 ou 4 au ba si vraiment batale ba lobi to bandi awa au secteur au to sala eloko moko boye awa to sala boye. Exacte bandeko, il n'y en a pas. Je peux pas vous mentir, exacte. Ces gens sont en train de nous bazoya ko tia bisoka na potopoto mboka na biso zokende kana potopoto. On ne sait pas exactement eloko nini yango ou qu'est-ce qu'il faut s'attendre na eloko o bango bazo sala eloko moko ezate. Donc on vit au gré des vagues. Lelo boye ono makambo ya bambouteillage batu nyoso bakomi koloba mambuteyaji na Kinshasa. Oh, este, erboko boy, oh no, tout ça, batu nyoso tout bakomi koloba. Et l'actualité, et le temps passe, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Mboka na biso tozo kende kaka, bongo kaka. C'est pour cela que nous sommes dit Bandeko. Qu'est-ce que nous devons faire? Nalikambo oyo, il y a présence, il y a Ougandais. Pour conclure ce chapitre-là. Pour les Ougandais, nous devrions, nous Congolais, nous mettre d'accord sur quoi? Batouana baye ko salanini. Ba ADF bazawapi. Est-ce que l'armée n'a biso ezaboué? Nous sommes en train de nous masturber, de nous mentir à Koloba. Bendele kweyate. Est-ce que Bendele wana kweyate déjà kalate? Et ce sont ces mêmes soldats-là qui se disent que non, tozo sala musala, tozo sala musala. Nous ne parvenons pas à nous dire la vérité. Le président de la République devrait être direct. Yakolo babande kobozo sala musala bien té. Bande kobozo sala musala bien té. Comment état de siège te décrété en goto pesi mbongo to sali boye? Mais makambo ango ezo silate. Est-ce que boye bi mobunde? Vous aviez dit que c'est une guerre asymétrique. Mais l'armée ougandaise aussi, Bandeko, basée kakape kaka na même politique. Là où le phare de sel avait dit que non, to kotaka to sirisaka ba siège anani ba ADF, la même armée ougandaise est entrée par là, na Medine, kuna, oh non, oh Jamil Mukura Bandeko vanda awa.
Depuis quand Djamil Mukulu est encore dans les ADF? Vous voyez encore que la diversion au armée ouanéza koya nango. Est-ce que l'armée ougandaise y est bien effectivement ni nango ba ekoluka? Bandeko, la guerre a toujours été difficile. Eza facile à ko déclencher guerre. Mais pour na kosili sango, pendant combien de temps ba ko zala kuna? Toutes ces questions là demeurent un secret de polichinelle ou Tshisekedi nanani na Museveni nde mutu ba yebiango. Donc, nous ne connaissons pas. Si quelqu'un vous dit qu'ils vont rester pendant 3, 4 mois, une année, 2 ans, en tout cas, c'est celui-là qui doit être dans le cercle, des cercles restreints. Ou bien, il y a Mutuya Museveni, il y a Mutuya Tshisekedi. Parce que personne d'autre, on ne sait pas. Mais quel est le côté positif? Ce qui est armé en Abandeko, ce qui est armé en Ougandaise, et parvenir à arrêter le massacre, boye bakaka kenon. L'Est sera coupé de la République démocratique du Congo. Parce qu'en ce moment ici, je peux vous affirmer que il y a des dirigeants qu'on est en train de préparer afin de prendre la relève. Il y a Kamata Mboka côté qu'on ne pas diriger section. Il y a la calme, il y a déjà des dirigeants qu'on est en train de recruter maintenant. Et qui commence même à faire des tours en Ouganda. Ça, c'est une parenthèse que je vous ouvre et que ce sont des informations vérifiables que moi j'ai. Ba Congolais, to fungola miso, le président de la République, tozo kota na situation moko tozo ebate kosuka neni. Ça peut se terminer par la balkanisation de notre pays. Côté kuna, l'autodétermination de la population sera effective. Parce que pour l'instant, Ouganda est comme ekozala ko téléguider même la politique. Et qu'on a la source même armée, mais qu'on a la co désigner. Quelle est la forme de cet état-là qui sera na banande ba? Bientôt banande ba kubanda ozonge pa na bango. Les nandes qui sont à Kinshasa vont commencer à rentrer. Je vous le parle, je vous le dis. Je vais m'arrêter par là. Mais le moment opportun, nous allons continuer cette histoire-là. Alors, les intellectuels au service de la politique de notre pays, bande koba intellectuels à Mboka na biso, ils ne réfléchissent même plus pour une solution pour ebimisa biso. Quel est le vrai problème? Ici, je ne serai pas trop long. Je vais tout simplement aller vous dire que non, les fondations de notre pays ne sont pas bonnes. Fondation à Mboka na biso ezala qui déjà détruit. Nous devons recommencer à reconstruire le pays. Pour reconstruire notre pays, nous ne devons pas aller à l'étranger pour chercher le pouvoir. Non. Nous devons tout simplement revaloriser le pouvoir que nous avons. La base, les fondations de ce pays, c'est pour cela que je me dis, l'article 10 de cette constitution qui existe maintenant, nous donne les pistes de solutions pour reconstruire notre pays. Mboka na biso, les grands avocats batunyon surtout, au lieu de tout revenir na ba basique ya Mboka ya koyebi sa président de la République, nous sommes allés trop loin ou nous sommes très 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 très
très approfondi dans le malheur. Pour reconstruire notre pays, nous devons voir l'homme congolais, réorganiser l'homme congolais dans son milieu naturel. Batunyoso, bato réorganiser pouvoir à la base pour que, à la base, batuba bandasiko ko respecte mibeko. Ce qui n'a base tout ça ko respecte mibeko, na niveau provincial, na niveau national, mibeko ane ko sala et ko sala respecte. Batuba koye batozo kende wapi. Aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de se battre pour améliorer sa vie personnelle. Nous ne pensons plus pays. Et là, quand on a pour te reconstruire, il faut te réorganiser base Nabiso. C'est pour cela, moi, je vous dis ceci. Bah, intellectuel à l'élo, il fallait babandako réfléchir comment rétrocéder le pouvoir au pouvoir naturel du peuple. Quel est le pouvoir naturel du peuple? C'est l'organisation interne du peuple, bas s'organiser n'engenini na base. Comment est-ce que nos sociétés, où est-ce que Togobanda co-organise? C'est pour cela, encore une fois de plus, nous appelons à ce que nous appelons les états de lieux de territoires. Forme en Mboka on a n'engé zali lelo. Il y a 26 territoires, il y a 26 provinces plutôt, avec 145 territoires. Et ça copé ça biso plus, il y a des clartés dans tout ça. Imaginez-vous, bande konangai, imaginez-vous ce qui chaque territoire bazui memo na bango ba yokani batuna batu ba yokani balobite biso toko bunda susute. Nos enfants doivent faire ceci. Toyebi nani asala kanini na mboka na biso awa. Nous savons comment est-ce que nous pouvons rétablir administration mboka na biso. Nous savons qui peut être éligible na mboka na biso. Système nini ango to lingi awa na mboka na biso to sala. Quelles sont les préoccupations? Oh ba difficulté nini ango za awa et comment nous pouvons trouver des solutions na ba territoire na biso? Nous tous ensemble dans notre territoire, nous sommes 4 tribus et dans ces 4 tribus, nous pouvons faire le recensement, nous sommes à combien? Toutes les questions de base sont posées au niveau des territoires. Et qu'on divise bisauté. Cela ne pourra jamais nous diviser. Et c'est là le basique dont je parle ici. Basique Nabiso, il faut bandawana. Tout ce qu'on a nous makambo coopération internationale, oh batunini, non, il faudrait rétrocéder le pouvoir à la base. C'est ce que je crois, Félix Tshisekedi wa Mulumba disait, que le peuple doit se prendre en charge. Bandeko, quand les partis politiques au niveau des territoires sont bien gérés et sont reconnus, na niveau à territoire que non awa ba courant politique ezabo toko bandolo bumbunde la bokonzi na kati ya ba territoire na biso en reconnaissant en se reconnaissant l'un à l'autre ba tuba yebani eloko ko changer makasi biloko ebele ko changer à partir awana. Mais si nous voulons toujours copier makambo euta ka France, makambo euta ka États-Unis, nous ne sommes pas la même culture. Le Congo doit se développer avec ses tribus. Le Congo devra prendre les tribus comme les fondations. Et quand ces tribus-là seront reconnues et seront organisées et se reconnaîtront entre eux, que non, on a zamu songe, on a zamu swahili, on a zamu nande, on a zamu kusu, on a zamu nande, on a zamu congolais. Bisonyo sotokoye baba kusu baza combien, ba congolais baza combien. Et les droits de tous ces tribus-là seront respectés en se disant que tout ça, les lokomoko, on est tindi ka bisonyo sotou ensemble. Mais aujourd'hui, le Congo est divisé dans sa fondation. C'est là, bilo konyo sotoko sala, sans que tu rétablir unité à ba fondation na biso ekosimba kate. Congo kote le makate, tant que nous ne reconnaîtrons pas le pouvoir des chefs coutumiers, le pouvoir de nos rois, le pouvoir de nos ancêtres, la propriété, bilo konyo fois à la changer, parce que cette constitution aujourd'hui, arrachant le pouvoir demain de ces citoyens en leur disant que mabelo eza mabelé na binoté eza mabelé à l'État, nous avions faussé tout. Tous les calculs ne seront plus respectés. C'est là où se trouve le grand problème de notre pays. Et c'est là où nous devrions commencer na kosa le changement. Aujourd'hui, le changement ne viendra pas en ayant beaucoup de production, en ayant beaucoup d'argent. Ata ba pesi biso ba milliards, bandeko, le pays ne changera pas.
parce que idée oh ya koloba kaka ngai na zo mbongo na kende ko investir en Afrique du Sud na kende investir na poto ou bien na kende otonga banda kunanga na poto na bana na ngaba kende. Nous sommes en train de nous diviser, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de notre peuple. C'est là où nous devrions commencer. Cacophonie nyonso oyo uti wapi? C'est parce que l'ennemi du Congo a voulu à ce que nous puissions être comme ceci. Pour que nous ne puissions jamais voir la lumière, toye ba mboka na biso tokotonga ngone. Imagine to ba pesi bino ba milliard balobi ba o totonga ville mususu. Mais tant que toyo kanite ata banzela botongi yango, batu ba kosala musala te. Les rébellions seront toujours là et qui en profite, c'est l'ennemi du Congo. Bao baza ko exploiter ba minerai na biso, bao baza ko profiter na situation au Congo za mabebo. Imagine-toi de petits pays comme le Rwanda ou bien bao bazo entouré biso, ils voient toutes ces possibilités à la République démocratique du Congo. Comment un pays peut se dire ngana okendo ko tonga ba balabala na Soudan du Sud, na okendo tonga ba balabala na Congo? Network routier à Ouganda, ce n'est pas à discuter. Network routier à Rwanda, ce n'est pas à discuter. Network routier à Tanzanie, ce n'est pas à discuter. Okomono okuta, okomona changement. Bandeko ba o biso tango suto katsa ba frontière wana, okomona ka différence. Même sur le plan organisationnel à douane kaka. Quand tu entres en Ouganda, vous sentez une certaine discipline. Mais discipline n'est pas na biso ezawa. C'est dans la démocratie que nous avions mis à bas désordre. Oh. Les gens ne savent pas respecter les règles. Les gens sont comme ça. Batuba sala kama kamuna ndenge na bango. C'est ça notre démocratie. Moi, je crois qu'il est grand temps que le président de la République prenne ses responsabilités. Pourquoi? Parce que le président de la République, alelo, nous le reconnaissons comme le père de la nation, Azamwana Mboka. Bandeko, toti kanano ba makamba ba parti politique, regardons-nous en face en disant mboka na biso to lingi nini. Où est-ce que nous voulons aller avec ce pays? Place nini ango to lingi mboka na biso ekende. Allons-nous continuer à travailler pour le blanc? Allons-nous continuer à faire saigner notre pays? Allons-nous continuer à vendre notre pays à d'autres pays à l'étranger? C'est là le grand problème. Nous devons stopper avec cette manière-là, Yakolobakaka, que non, nous avons produit ceci. Non, non, le pays demande à ce que Tobanda vraiment, Kosale Lamboka, il faut Kosale Lamboka, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire reconstruire le pays à partir du zéro. Recommençons le tout par des simples méthodes qui génira, qui à nous, ceux qui ont évolué, ne Tobanda Kole Kanaba, question complexe. Mais réorganisons d'abord la société congolaise afin que tout ait un ordre. Ça se remarque quand tu arrives à Kinshasa, tu regardes comment les désordres. Et ce n'est pas tout simplement à Kinshasa, même à Kasumbalé, ça, même dans toutes les frontières, tant au Kota, à Congo, au Kuta, tu ne peux pas te retrouver. Okuta désordre moko indescriptible. Les gens partent dans tous les sens. Les services venus d'ici, tout ça, bah, région Zana, bah, banque, tout ça, tu vas trouver beau, des gens sur la route avec Bazako changé, Mongo. Donc, le désordre est partout. Or, nous pouvons donner la responsabilité au peuple congolais en leur disant, chaque territoire, please, réorganisez-vous pour que nous puissions avoir... Cette mosaïque-là, tout tient ensemble et abattons-nous, surtout va s'organiser, l'ordre pourra revenir dans tout. Aujourd'hui, Kinshasa en a 10 millions d'habitants. Plus de 10 millions. Personne ne peut vous dire le nombre exact. Parce qu'il n'y a même pas d'identification. Nous n'avons pas de carte d'identité. Et j'ai été choqué de constater ce que Kofi Olomide, ce musicien, on dit lors, après le concert de Kigali. Namoni, comment est-ce que les Congolais tuba bazako zobabiso que toza na carte d'identité? Et le malheureux, le peuple qui ne comprennent pas ce que bazaba fou, bazako envier Rwanda parce qu'ils ont des cartes d'identité. Comment est-ce que Félix ne peut pas commencer à se dire mboka oyo to réorganiser na mutu na mutu azwa carte d'identité? Ça va nous demander quoi? Ce n'est qu'une volonté politique et la méthodologie de le faire. Tozo zanga eloko moko te akuru. Nous manquons tout parce que nous ne voulons pas réfléchir. Parce que nous sommes en train de travailler pour les autres. C'est ça la réponse que nous pouvons dire aujourd'hui.
Alors, merci beaucoup. En tout cas, nous n'avons pas terminé nos réflexions. Réflexion, on a besoin de soutien, de s'arrêter caca, parce que le temps ici nous fait défaut. Mais pour d'autres personnes qui auront le temps sur Instagram, je crois que ça sera dans 30 minutes, nous serons en direct. Il y a des sujets que nous allons développer qui sont sur l'actualité. Nous allons en parler et bah, si je wana ezali mingi mingi ba question o boza ko tinde langai ba question o boza ko linga ko zwa ka ba réponse ou bien vous voulez à ce que nous en parlions. C'est pour cela que nous avions dit sur Instagram il y a des sessions de direct que nous allons commencer à faire et je crois que ça sera vers 12h30 dans une heure. Si vous êtes connecté, vous allez suivre cette session où nous réfléchissons sur l'actualité. Donc ce sont des nos confrères bah journalistes ou bah commis na bah presse y a internet et puis justement beaucoup de gens peut-être ne vont pas là-bas. C'est pour cela que nous avons dit nous allons lire les articles et puis essayer de vous expliquer cela cadre dans les réponses aux questions que vous-même vous m'aviez demandé sur bah Makambo Belé. Donc ne manquez pas cette session là. Et pour les autres qui me suivront en différé, vous pourrez toujours suivre cette émission-là parce qu'elle sera enregistrée. Vous pouvez les suivre tout le temps que vous voulez. Mes chers amis, continuez à vous abonner, s'il vous plaît. Continuez à partager nos émissions. C'est très, très important pour l'évolution et pour l'encouragement. Encouragement, on a qui cause pas nabino zakaka. Vous partagez l'émission Nangaï. Mugaboule, moukwa mouna femme partage. Njo encouragement, nye mouneza kouni fanyi. Kam on a tafta kouni encourager, kam on a tafta kouni. Qu'on y honore vraiment partager na vous abonné. Abonnez-vous comme ça. Tu quoi na va abonner va mingi. Il est juste à quoi na n'importe encouragement que tu continues na tu quoi tu na améliorer ma émission zéro. Ne manquez surtout pas aussi de critiquer vos réactions, critiquer si à la lumière sur comment est-ce que le donc surtout. Mais na ma finga na binope toyo kaka yango. Toyoka katango bofingi biso nous avions accepté ça cadre toujours dans le sens que bofingi je sais que quand vous bofingi c'est-à-dire que vous avez pu avoir le temps de m'écouter. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir.